si l'on va pousser la maladie. Prophétiser sur ta vie, toutes ces choses-là sont en Christ. Christ est le couronnement de toute ta bénédiction. Christ est la réponse de tous tes besoins. Affectionne-toi toujours de lui à autre chose. C'est vrai que tu ne le vois pas, il n'est pas perspective avec les yeux. Mais nous l'apprécions avec notre cœur. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est présent. Quel que soit le temps, peut-être que je connaîtrai le jour dont tu es présent. Quelle que soit la durée.
acclamons le Seigneur. Nous acclamons sa bénédiction et son amour. Il est toujours bon pour toi, il est toujours bon pour moi. Il est fidèle dans ses promesses. Nous bénissons son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, ensemble, nous adorons notre Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Le samedi dernier, j'étais à la radio et je disais comme ça aux journalistes que je ne parle tellement doucement que le diable aura mal. Parce que quand je parle souvent rapidement, je pense que je peux surfer sur certains mots. Mais je vais aller lentement et détruire les fausses fondations qui sont dans le cœur des gens. C'est comme ça que j'ai compris qu'aller doucement, c'est être encore plus précis, plus habile. C'est comme ça que même dans la mélodie, nous devons aller tout doucement. Parce que lorsque nous allons précipitamment et avec force, on peut heurter, on peut sauter et puis on peut même ravir les belles paroles de l'adoration. Donc aller doucement, ça fait encore plus mal à l'ennemi. Parce que les mots, les paroles, ça transperce les cœurs. Il ne faudrait pas que le rythme, le battement puisse nous empêcher de vraiment comprendre les mots que nous adressons à notre époux. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Le dimanche dernier, nous avons vu quoi? Le but de l'Église. Nous avons vu le but de l'Église. Le but de l'Église. Sans ceux qui n'ont pas fait leur raison. À ce moment, le reste, tout le monde a fait son résumé. Monsieur Boissy, tu as fait ton résumé? Hein? Aïe! Mais il dit qu'il n'a pas fait, tu ne viens pas ta main. Mais pourquoi vous ne faites pas les résumés? C'est que je prends vraiment beaucoup de plaisir à parcourir les lignes. C'est tellement intéressant, c'est bon de savoir que le message est tombé dans les cœurs. Je tiens vraiment personnellement un grand bonheur lorsque je parcours les lignes de votre résumé. Ça m'encourage, ça me donne beaucoup de force de continuer. Est-ce que tout ce que je suis en train d'annoncer tombe et pète dans des ronces, dans des pierres ou des terres fertiles? La réponse se passe dans les résumés. Quand je vois un résumé parfait, correct, même si je crois que il y a beaucoup de personnes peut-être qui peuvent se gêner. Est-ce qu'il n'aura pas de faute? Non, on n'est pas à l'école. On est là pour apprendre. Qu'il y ait de faute, qu'il n'y ait pas de faute, ce n'est pas ça qui est important. C'est de savoir si vous avez compris le message. Mais si c'est difficile pour vous d'écrire à cause peut-être de faute, vous pouvez faire l'audio. Amen. Vous pouvez faire l'audio. On veut comprendre. On veut savoir si vous avez compris. C'est important. Amen. Hein? C'est important. Bien-aimé dans le Seigneur. On vous manage. On vous manage, mais vous ne voulez pas. C'est compliqué. Mais quand vous dites au Seigneur que vraiment ma bénédiction tarde, je n'ai plus qu'à lui demander de faire résumé là. Vous ne savez pas lui qui a demandé. Là, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Là, c'est le pasteur lui-même. Il veut nous créer des problèmes. Donc, il nous fatigue. Donc, à quel moment le Seigneur parle, à quel moment le pasteur parle? Hein? Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire
l'Église. Amen. L'Église. Aujourd'hui, le dimanche passé, nous avons vu le but de l'Église. Aujourd'hui, à cette heure, nous allons encore parler du but de l'Église. Il est très important, bien évidemment, le Seigneur, de comprendre pourquoi l'Église. Pourquoi l'Église? Quel est son but? Est-ce qu'il est plus important? On dit que tu es le corps de Christ. Christ est la tête. Nous formons le corps, nous formons l'Église. Mais quel est ton rôle? Est-ce que ton rôle, c'est venir adorer le Seigneur? Chanter, danser, aller au travail, tout ça, tout ça. C'est de savoir. Avoir cette conscience-là et marcher véritablement dans cette mission. Sinon, tu pourras être un serviteur comment? Inutile. Qui veut être un serviteur inutile? Hein? Qui veut être un serviteur inutile? Un serviteur inutile. Personne. Mais pour ne pas que tu sois inutile, mais il faut savoir. Qu'est-ce que tu dois faire pour être utile? Amen. C'est comme ça que tu peux estimer beaucoup de choses dans ton cœur. Ah, ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je prie chaque 22 heures ou chaque 23 heures. Là, c'est mon alliance. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tissent des alliances dans leur maison. Quand ils sont tous rassasiés, Seigneur, mon alliance, toi et moi, c'est de prier à nous. Qu'est-ce que le Seigneur lui veut? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Donc, il y a beaucoup d'alliances pour créer. Après, quand toi-même tu n'arrives pas à faire, tu te culpabilises toi-même. Mais tout ce que lui a demandé, tu fais comme ça. Il faut comprendre, bien-aimé. Ce qui est important, c'est le Seigneur, ce qu'il nous demande. Il dit, c'est lui qui va faire quoi? Hein? Attends. Garde ma parole. Mais quelle est la parole du Seigneur? Quelle est la parole du Seigneur? Est-ce que tu annonces ta parole? Notre texte de base est tiré dans Matthieu chapitre 16, le verset 7. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont revelé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que si cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc le Seigneur pose la question et qu'est-ce que Pierre dit? Tu es le Fils de Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend. Il dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il a révélé, Simon? Hein? Tu vois, la Bible, elle est tellement intéressante. Même quand il parle, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé. Le Seigneur l'appelle Simon. Parce que quand tu es Simon, il y a encore le lien de sang, il y a encore la chair, il y a encore la volonté de ton Père. Alléluia. Mais il dit quoi? Il dit: et moi, je dis, tu es Pierre. Et si cette pierre, c'est quelle pierre? C'est pas la propre pierre. C'est cette révélation qu'il a donnée en disant que tu es le. C'est sur cette fondation-là. Et cette fondation, c'est qui? Jésus-Christ.
qui est Christ, qui est la pierre, qui est le roc. Après, dans les épîtres, tu vas voir que l'apôtre Paul dit que nous bâtissons sur le roc cette pierre. Cette pierre, c'est qui? C'est le Christ. Quelle est la révélation de Simon? Il dit que Dieu est Christ, le Dieu. Donc il dit que si cette déclaration, je ne peux pas dire qu'on est Christ. Et cette église, elle est bâtie sur qui? Christ. C'est Christ qui est la pierre. C'est lui qui est le roc. Mais ce qui m'impressionne, ce qui me touche, il dit que je bâtirai. C'est à quelqu'un. Il dit ça. Je bâtirai. Donc, cela veut dire que l'église n'est pas encore présente. On est d'accord? S'il dit je bâtirai. Donc, pendant que Jésus était là, quand il parlait, est-ce que l'église était encore? Hein? Donc, il dit je bâtirai. Donc, c'est au futur. Il sait très bien que cette église n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il devait créer cette église par le travail de son âme. Il devait mourir. Il devait sceller. Il devait ressusciter. Et il devait envoyer maintenant le Saint-Esprit qui sera le fédérateur. Qui va réunir tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui croient. Et c'est comme ça que l'église pourra. Donc, lorsque Jésus était présent, on ne peut pas encore parler de l'Église. Donc, il pouvait me parler au futur. Je bâtirai. Il va bâtir cette Église comment? Sur la mort, l'enseignement et la résurrection. Après avoir expié, nettoyé, purifié tous ces enfants, il enverra maintenant son esprit. Et c'est pour ça que l'esprit ne peut pas venir dans un corps qui est souillé. Donc il fallait d'abord laver, purifier avant d'amener son esprit. Et c'est là maintenant que l'église peut naître. Nous allons prendre Matthieu chapitre 11, verset 11. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous voyez la déclaration de Jésus? Je reprends. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, lorsque le Seigneur était là, les apôtres sont là, Marie est là, tout le monde est présent, mais le Seigneur va faire une déclaration puissante. Il dit que tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un qui est plus grand qu'eux. Donc, toutes ces personnes-là, Marie, tout ça. Mais il dit cependant, Jean-Baptiste, là, qui est plus grand que tout cela, il est le plus du royaume A. Et lorsqu'il parlait encore de ce royaume, il parlait de cette personne qui allait être purifiée, qui allait être sanctifiée par son sang, et que le Saint-Esprit allait habiter. Il parlait encore de quoi? De l'Église. Est-ce que vous voyez d'une. Comment est-ce que le Seigneur a pris le soin de pouvoir bâtir son Église? Lorsqu'il dit, je bâtirai mon Église. C'est le travail du Seigneur. Je bâtirai mon Église. Donc c'est lui-même qui a monté cette Église-là de toutes pièces. C'est comme ça que j'ai dit, de la même manière que la femme qui sont l'existence de l'homme lorsque l'homme est allé dormir, le Seigneur a pris une des portes de l'homme pour faire la femme. C'est pour ça que l'Église tire son existence en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je bâtirai quoi? Mon Église. C'est la première fois que le mot Église est mentionné. La toute première fois.
Et en étude, il y a ce qu'on appelle la règle de la première mention. Lorsque un mot est mentionné la toute première fois, il faudrait considérer la définition que le Seigneur lui-même va donner. On peut donner plusieurs interprétations, on peut donner plusieurs définitions, mais le Seigneur vient de faire sortir Église. C'est la première fois que nous sommes en train de parler de l'Église. Je bâtirai mon Église. Mais quelle est donc cette Église? Comment est-ce que nous pouvons la définir? Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, lorsqu'il finit de faire sortir le mot Église, l'expression Église, qu'est-ce qui suit? Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre qui? Contre l'Église. Donc, par définition, je peux comprendre par là que l'Église est un instrument de Dieu pour pouvoir lutter contre les portes du séjour des morts. Lorsque nous sommes en train de parler du verbe prévaudre, il provient du verbe prévaloir. Prévaloir, il est dit quoi? Avoir de l'avantage, dominer, triompher. Lorsque l'homme a désobéi, lorsque le péché est rentré, lorsque la mort est répandue sur tout le monde. Mais le Seigneur, au travers de l'Église, il va créer une race, il va créer une nation où la mort ne pourra pas dominer sur elle. Amen. Parce qu'après la désobéissance, la mort a régné sur eux. Mais là, il est sur le point de faire une race. Et cette race-là, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Si nous devons changer le verbe prévaloir, ne dominera point, ne peut pas triompher. Est-ce que vous comprenez? Donc cette Église, cette race, ne peut jamais être dominée par la mort. Est-ce que tu vois un peu l'importance de l'Église? C'est-à-dire, lorsque je veux amplifier ma voix, qu'est-ce que je prends? Maintenant, quand le Seigneur lui-même veut lutter avec la puissance des ténèbres, il utilise quoi? Est-ce que tu vois comment l'Esprit est précieux? Comme un instrument puissant pour faire échec à l'échec. Il utilise l'Église comme un instrument puissant pour faire partie de la haine. Parce que le séjour, la porte du séjour des morts, la porte des ténèbres, du mal, ils sont caractérisés par la haine. Donc si le Seigneur doit venir éradiquer le diable, la haine, mais il va créer sa race à lui, remplie de quoi? S'il lui est haineux, c'est que nous nous serons. Qu'est-ce que vous voyez un peu? Comment est-ce que le Seigneur, dans sa création, dans sa pensée, lorsqu'il crée l'Église, est-ce que vous arrivez à percevoir sa conception? C'est-à-dire pour lutter contre le mal, contre la haine. Mais le contraire de la haine, c'est quoi? Donc pour éradiquer cette haine, pour éradiquer tout ce qui est mauvais, il va faire une race. Et cette race-là, c'est toi. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne triompheront pas sur elle. Qui fait partie de l'Église? Tu es sûr que tu fais partie de l'Église? La Bible dit que la mort ne pourra plus jamais te dominer. Non, est-ce que tu comprends ça? Dieu t'a créé Église, corps du Christ, pour ne pas que la mort domine sur toi. C'est-à-dire que la mort peut dominer sur toi.
Mais lorsque la mort arrive sur toi, il dit oh, oh. Non, non, cette race-là, c'est elle qui doit dominer sur moi. C'est pour ça que quand l'exterminateur est arrivé pour pouvoir exterminer les prédénés, lorsqu'il arrivait là où il y avait le sang, qu'est-ce qu'il faisait? Passer. Donc quand la mort veut venir, il te voit jump. Lorsqu'il te voit, il saute. Lorsqu'il te voit, il ne peut que s'éclipser. Souvenez-vous, sur le chemin de Gada, quand le démon a vu le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à tomber. Il dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant les gens? Mais c'est comme ça que quand l'ennemi te voit, c'est comme ça. Mais comme c'est un bluffeur, c'est un grand joueur de bluff. Il fait comme s'il tombe alors qu'il est en train de faire pipi sur lui. Mais toi, comme toi, tu ne sais pas, tu te mets aussi à trembler. Lorsque le Seigneur crée l'église, c'est dans le seul but de faire échec à la mort. Donc tu ne veux pas être dans cette dimension église et dire Seigneur, il ne faudrait pas que la mort vienne sur moi. Seigneur, la mort ne peut pas venir sur moi. Mais tu as été créé pour freiner la mort. Tu as été créé pour freiner la maladie. Tu as été créé pour freiner tous ces genres de choses-là. Parce que de la matière avec laquelle on t'a créé, la Bible déclare que nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes choses. Nous ne devons pas ignorer, frère. Prenons d'abord 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du... Le monde entier est sous la puissance du... Il dit le... Mais dans ce monde où nous sommes là, il y a aussi l'église. Mais cette église-là n'est pas sous la puissance du mal. Donc il faut par là comprendre que l'ennemi est sur cette terre et il fait beaucoup de mal. Mais sur toi, tout ce qu'il pourra faire, c'est sur les autres et ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Mais toi, il ne pourra jamais dominer sur toi. Il ne pourra jamais triompher sur toi. C'est-à-dire que tu peux avoir peur de beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas avoir peur des séjours, la porte des séjours des morts. Tu ne peux pas avoir peur du diable. Tu ne peux pas avoir peur de la mort. Tu ne peux pas avoir peur de la maladie. Tu ne peux pas avoir peur de la famille. Tu ne peux pas avoir peur du manque. Tu ne peux pas avoir peur de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il dit dans ta conception, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai fabriqué de la manière dont je t'ai. Et là, les bancs du séjour du monde ne domineront pas sur moi. C'est comme celui qui a fait le papier. Il dit que si tu le fais passer au feu, consume. Donc, de la manière que Dieu t'a créé, c'est impossible que la mort ne se domine. Il faudrait que tu sois conscient. Lorsque tu dis église, lorsque tu dis que je fais partie de l'église, lorsque tu penses, tu crois dans ton cœur que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu es le corps du Christ, la mort ne peut pas tomber sur ta vie. Pour ouvrir encore ton intelligence, mais est-ce que la mort peut dominer sur Christ? Mais tu es le corps de Christ. Mais c'est toi le corps du Christ. Donc tu ne peux pas être là et être mal. Situation de mort, de problèmes, de famine, de manque d'argent, d'infertilité, de manque. Non, tu ne peux pas. Toi, tu as été créé pour faire des chefs. Mais comment est-ce que nous arrivons à ne pas véritablement dominer sur cette vie?
c'est lorsque nous nous méprimons par rapport à la parole. La connaissance doit ouvrir ton intelligence et savoir que toi, tu es un élément mis à part pour faire obstacle à la parole. C'est-à-dire, quand le Seigneur veut combattre la haine, il envoie ses enfants. Parce que lorsque vous allez venir, vous allez répandre la mort. Lorsque le Seigneur veut combattre la animosité, il envoie ses enfants. Parce qu'ils sont porteurs de paix. Donc lorsqu'on te voit, toi, Église, ton but, quel que soit le lieu où tu te trouves, lorsqu'il y a l'animosité, quand toi tu arrives, il y a la paix. Si toi tu arrives et ton arrivée, ça c'est la guerre. C'est qu'il y a un problème. Parce que de la manière que Dieu t'a conçu là, c'est pour ne pas que tu sois dominé par la puissance de Dieu. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient? Bien-aimé, est-ce que tu es conscient? Parce qu'il arrive par moments où nous manquons, où nous n'arrivons pas véritablement à comprendre ce pourquoi nous sommes sur la terre. Le diable est en train de servir. Il est en train de sévir. Il est en train de faire beaucoup de mauvaises choses. Mais comment est-ce que le Seigneur va vers cela? Mais on le fait comme sur toi. Il a mis tout à ses pieds. Les pieds représentent qui? Le corps du Christ est qui? Donc qui doit marcher sur le diable? Hein? Mais marcher sur le diable, c'est comment? Est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est je te paralyse? Quelle est l'une des caractéristiques du diable? C'est-à-dire, si nous devons vraiment identifier le diable avec un seul nom, nous pouvons le voir. Si nous définissons que Dieu, il est amour, le contraire de l'amour, c'est quoi? C'est un petit haineux. C'est la haine qui sort d'eux. Donc, si le Seigneur veut que nous marchions sur le diable, mais nous allons marcher sur le diable comment? Satan, je te paralyse, je t'envoie le feu, je te machette. Mais comment est-ce que tu pourras piétiner le diable? Comment? Je te pose une question. Si aujourd'hui, nous sommes quoi, 7 milliards d'habitants, tous les 7 milliards d'habitants manifestent l'amour, tu veux voir le diable? Hein? Mais il est là, non? Tu peux voir le diable? Donc, la révélation, la Bible dit dans le livre de Romains que le monde souffrit attendant la révélation de qui? Mais cette révélation, c'est par rapport à quoi? Les prophéties vont disparaître. Le parler en langue va disparaître. La connaissance va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Seul. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de l'église, tu ne peux pas parler des artifices là. Parce que toutes ces choses-là vont disparaître. Mais nous parlons de quoi? De l'amour. C'est comme ça que tu dois te prendre signe. Lorsque tu arrives dans un endroit où tu vois qu'il y a la haine, donne-toi de la valeur. Je suis l'amour, la bénédiction. Je dois répandre l'amour. C'est-à-dire, quand tu vois la haine dans un coin, tu dois te dire, les gars, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, je vais répandre cet amour ici. Ils seront touchés par l'amour de Dieu. Mais tu arrives d'un point où il y a la haine. Oh, toi, tu as dit, parce que toi, tu as haine. Regarde, c'est un enfant à haine. Viens te montrer ta voix, tu te montrer là. Mais qui tu es? Qui tu es?
Tu penses que c'est une insulte? Est-ce que lui est vraiment vrai? Et elle parlait, tu allais te laver, tu vas acheter. Attends, mon frère. Tu es église, créée par Dieu, dont le seul but est la mort ne domine pas sur toi. Mais toi, tu dis à celui qui a la haine, que toi, tu peux faire plus que lui. Mais on t'a créé dans quoi? C'est dans quoi qu'on t'a créé? Je relis 1 Jean 5. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Et Dieu, le monde entier est sous quoi? La puissance du mal. Maintenant, Dieu a fait cette race-là qu'on appelle Église, dans le seul but de pouvoir impacter le monde. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux douze disciples? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, vous êtes le sel. Tu es le sel. La saveur de ce monde-là, c'est toi. Parce que ce monde-là est sous la domination du Dieu. Tout ce qui est bon dans ce monde-là, c'est toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que tu dois répandre cet amour-là afin de pouvoir changer le cœur de ces personnes qui sont sous la puissance du diable? Parlons de connaissance. Parlez en langue. Priez pendant 24 heures. La Bible déclare que nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, si nous définissons que Jésus-Christ est amour, donc nous avons été créés en quoi? L'usine qui t'a fabriqué, on appelle ça comment? Amour. Quand il finit, Romains 5, verset 5, il dit l'espérance de ton point. Car Christ a répandu son nez, l'amour par son. Manifester tous les jours, tu ne le dis pas chez ton voisin. Non, si même j'ai l'aimé. Non. Même si toi tu aimes celui qui t'aime, est-ce qu'il est différent d'un sorcier? Parce que dans la confrérie là, les sorciers c'est les bandits lorsqu'ils vont braquer, mais ils s'aiment entre eux. Maintenant, si toi tu dois venir aimer celui qui t'aime, mais c'est quoi d'extraordinaire que tu viens de faire? Dis-moi. Tu dis que tu aimes ton frère qui est à la maison, mais qu'est-ce que tu viens de faire d'extraordinaire? Lui, il est venu mourir pour les pécheurs. Il dit, nous qui étions pas ennemis, il dit. Mais lui, il est venu mourir pour qui? Pour des pécheurs. Pour des gens qui étaient sans force. Il est venu mourir. N'aime toi. Je réponds. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est soumis à la puissance de Dieu. Est-ce que tu es conscient, Église de Dieu? Église de Dieu. C'est quoi l'Église, hein? Est-ce que tu es conscient que le monde entier est sous la puissance du malin? Hein? Est-ce que tu sais ça? Maintenant, toi tu as l'amour dans ton cœur. Et tu sais très bien que le monde entier est sous la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Ici, même dans notre texte, on dit non-assistance à une personne, hein? On peut te mettre en prison. Maintenant, toi, tu es église. Toi, tu es corps du Christ. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, Dieu t'a créé dans le seul but de pouvoir faire obstacle à la mort. Maintenant, toi, tu as l'information que le monde entier est sous la domination du. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Je me réveille matin, dimanche, je vais à l'église,
j'ai fait mon offrande, je danse bien, je rentre à la maison, je dors, je vais au travail, et dimanche encore, je vais à l'église. C'est ça, la vie chrétienne. Hein? Dites-moi si c'est ça la vie chrétienne. Donc, c'est-à-dire que si chacun doit faire, je me lève, je vais au travail, j'arrive à la maison, je prie, je jeûne, je fais mes offrandes, j'apporte ma dîme, le dimanche j'arrive, je vais à l'église, je danse, le pasteur me voit, on est heureux, on danse bien. Et c'est fini. Ça, c'est ça l'église de Dieu. Hein? Il t'a créé d'une manière spéciale. Pourquoi il t'a créé d'une manière spéciale? C'est pour ne pas que la mort puisse te dominer. Il a fait ça parce qu'il est en train de faire une armée d'élite dans le seul but de pouvoir renverser ce qui est ténèbres en lumière. C'est comme ça qu'il habite dans la lumière. Maintenant, quand tu penses cette lumière-là pour venir briller nous, même ici, là, actuellement, là, nous sommes. C'est-à-dire, chacun a sa lumière activée. Donc, c'est dehors-là que tu vas aller montrer cette lumière-là. Pas ici! Mais ici, là, nous sommes actuellement, nous sommes en powerful. 24 degrés, 100 degrés, on est là, on a allumé ce qu'on voit, Mais il faut aller briller maintenant où ça? Hein? C'est comme ça qu'on peut dire qu'on a l'amour. Parce que par cette acte-là, on peut qualifier que tu as l'amour dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu te soucies de l'âme des gens. Comment est-ce que je dois gagner cette personne à la crise? Pour ne pas que la puissance des ténèbres, du mané, puisse avoir encore une influence sur cette personne. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu chantes, tu pries, tu vas à la maison, tu demandes des grandes choses. Pourtant, il dit chercher plus loin le royaume et la justice, c'est votre demande. Moi, ça, c'est pas ton problème. Seigneur, mon magasin, là, c'est pas. Seigneur, Marie l'a déplacé. Enfin, que tu m'as dit, mais à quel moment vous allez penser un peu au Seigneur? Parce que lui, il a déjà prouvé son amour. Il t'a sanctifié, il t'a purifié, il t'a fait héritier, héritier avec le Christ, il t'a tout donné, il t'a créé d'une manière spéciale pour ne pas que la mort puisse te vaincre. C'est comme ça qu'il a dit que tu es passé de la mort à la vie. Il a tout fait. La Bible déclare que nous sommes bénis, que tout soit une bénédiction d'un niveau céleste en Christ. Il n'y a pas une bénédiction qu'il nous a pas donné. Il a tout fait. Maintenant, la petite chose, il est là. Le monde entier est sous la puissance du diable. Allez-y. Hein? C'est là que tu dis quoi? C'est pas ton problème. C'est dans ton point. Tu as des grands projets. Tu as des grands projets avec Dieu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Souvent, tu vas avoir des chrétiens qui sont sérieux. Je me prends 3 jours de jeûne pour connaître la volonté de Dieu. Mais quelle volonté de Dieu tu veux savoir? Quelle autre volonté de Dieu veux-tu connaître? La Bible qu'elle a ne veut surtout pas. Bon, c'est quelle volonté de Dieu que tu veux? Hein? Quand tu vas parler de l'évangile, je veux connaître ta volonté. La volonté de Dieu est ici. Quand tu vas annoncer l'évangile, bon, comme ça ne t'intéresse pas, comme cette nouvelle-là, c'est-à-dire, ce que le Seigneur t'a fait là, puisque ça ne t'intéresse pas, c'est comme ça que tu viens encore jeûner pour demander au Seigneur. Je suis venu connaître encore. Mon fils, tu veux connaître la volonté du Seigneur. Hein? Par l'évangélisme. Est-ce que c'est compliqué? Hein? Est-ce que c'est compliqué? J'ai vu un jour des débats théologiques, j'étais impressionné. Comment connaître la volonté de Dieu? Il y a des gens qui te révèlent. Il dit, je suis venu pour faire connaître ton nom. Mais toi aussi, il faut connaître le nom.
fait connaître le nom de Jésus. Toutes ces personnes-là qui souffrent, qui ne peuvent pas vivre, ils sont sous le pouvoir esclavagiste du diable. Ils sont malmenés. La mort triomphe. La mort domine. Ils sont piétinés. Ces personnes-là souffrent. Mais à quel moment tu vas te révéler? À quel moment? On saura qu'il y a des enfants de Dieu qui sont là. Regardez Paul et Silas. Ils vont rentrer à Éphèse. À Éphèse, vous voyez comme on se met ici pour adorer le Seigneur. C'est comme ça que cette ville a été dédiée à la reine Diane. Donc ils s'élevaient. Grande est la prêtresse Diane. Mais quand ils sont venus, on dit voici les deux qui ont bouleversé la ville. Toi, tu as bouleversé quelqu'un. Ta maison même est en problème. Tu as bouleversé quelqu'un. Problème ici, problème. Comment est-ce que tu... Dieu t'a créé comment? Comment est-ce qu'il t'a créé? Église de Dieu. C'est-à-dire, on est tellement assis, on ne fait rien. Et des gens vont aller faire des grands développements. L'église de Dieu, elle n'est pas propre, elle est impure, elle est comme si les pasteurs sont des voleurs, les fidèles sont des voleurs. Et vous êtes là. Mais si vous dormez, mais comment est-ce que les gens ne vont pas continuer à arnaquer? Hein? Dites-moi. Venons Romains chapitre 8, verset 19. Je donne ça pour que vous puissiez noter. C'est très important. Romains 8, 19. Voilà, tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça par cœur. Qui connaissent ce verset-là par cœur. 19. On va lire ça ensemble. Chacun sa Bible. Connaissez ce verset là par cœur. Donc vous ne faites rien avec la profondeur de ce verset. On est prêt? 1, 2 et 3. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Christ. La création soupire. La création souffre. Elle est sous la domination du malin. Et qui va venir me sauver? Elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend la révélation des fils de Dieu parce qu'elle souffre. Elle est malmenée. C'est à cause même du péché, même qu'il y a le tsunami, il y a tous ces vols, tout ça. Donc elle souffre. Elle dit, mais où sont les enfants de Dieu? Ils sont où ça, ces enfants-là? Vois ces enfants-là qui sont réfugiés un peu par la bouche. Alléluia. La révélation du Fils de Dieu. Vous voyez, on parle tellement de la grâce que par moment, vous avez même tendance à oublier. Le diable massacre des vies. Il fait beaucoup de mal. Il prend du terrain. Devons faire, ce n'est pas cracher le feu, ce n'est pas envoyer des bombes, c'est la révélation. Là, la révélation, fils de Dieu. Mais à quel moment tu vas te révéler au monde? À quel moment cette lumière va briller dans les ténèbres? À quel moment? À quel moment? C'est-à-dire, des gens qui portent la tenue de chrétiens, ils font de leur vie ce qu'ils veulent, et après ils parient et c'est chrétien. Oh, faut pas te tromper. Un chrétien, ce n'est pas parler au bas, au bas. J'aimerais vous dire quelque chose. Je suis en procès. Et mon avocat doit me défendre. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu prêches? Et les gens viennent te poursuivre. Je veux dire, je prêche quoi? La grâce de Jésus-Christ. Donc, vous mettez pas qu'est-ce qu'il va faire?
il va s'imprégner de quoi? Mais lorsqu'il s'imprègne de la grâce, ce n'est pas pour être transcendé, c'est pour venir de... Tu peux comprendre la grâce d'une manière majestueuse. Et puis tu n'es pas enfant de Dieu. Comment ne veut pas être accepté? Ah, je comprends ce qu'il dit. Il dit que Jésus-Christ est mort pour les péchés, patati patata, il est venu ensevelir, ressusciter des morts, patata, le Saint-Esprit est descendu. Mais suivez les débats des musulmans souvent. Il récite ce qu'on dit là. Il dit quoi, il prétend du mort, expiata de Jésus-Christ qui serait venu mort à part du retard, il est revenu le Saint-Esprit, tout ça là, mais c'est n'importe quoi. Mais tu peux connaître que tu es vide. Faut pas te blaguer. Faut même pas te blaguer. Et puis pour en parler, tu as des mains dedans. La grâce à Dieu. Non, 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 non. Si tu crois véritablement au message de l'amour de Dieu, Dieu t'a créé pour faire obstacle à tout ce qui est mauvais. Il ne t'a pas créé pour aller amplifier le monde des ténèbres. Il ne t'a pas créé pour aller amplifier le monde des ténèbres. Qui t'a dit ça? Je suis en train de parler aux enfants de Dieu, à l'église. Au corps du Christ. Ce dont je suis sûr, c'est que moi je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je sais que je suis enfant de Dieu? Ce dont je suis sûr, c'est pour moi. Oui, c'est en train de prêcher. Et si pas en tant que vous savez ce que tu peux. Ce dont je suis sûr là, c'est pour moi et pour mon ancien. Ancien en ensemble, pas de faire ça. Moi, il est pressé. Oh. J'ai attendu. Oh. J'ai accepté. Oh. Moi, je ne suis pas garant. Quand le Seigneur m'a appelé mon fils, papa, la grâce là, beaucoup de Jésus, ça. J'ai annoncé. J'ai appelé Moïse. C'est vrai, mon petit. Et ceux qui ont entendu là, ah, mais il faut les commenter. Tu ne peux pas mettre ça sur moi. Donc, il ne faut pas. Le but de l'église. C'est de dominer sur la mort. C'est de dominer sur la haine. C'est de triompher de la jalousie. C'est de triompher de la haine. C'est de triompher de la méchanceté. C'est de triompher de la médiocrité. C'est de triompher de toutes ces méchantes choses-là. Pour faire lui notre Seigneur. Prenons deux points. De Corinthiens chapitre 4, troisième verset. Et ici, notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Celui qui ne comprend pas l'évangile fait comment? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si aujourd'hui tu ne te lèves pas pour aller annoncer l'évangile et que l'évangile est voilé, que les autres enfants comprennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi tu veux que les gens périssent? Donc tout ce que tu veux en vouloir avoir passé, il ne dit pas la vérité. Pourquoi tu dis la vérité là, tu attends quoi pour parler? J'étais fidèle. Et je suis toujours fidèle. Mais lorsque j'ai vu, je partais à l'église comme vous. J'appartiens à l'ancienne communauté. Mais quand j'ai compris l'amour de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire, ainsi par l'éternel, toi tu seras serviteur. Je me suis levé pour annoncer l'évangile. Et c'est ça qui m'a conduit, je me suis devant vous. Là qui m'a pressé jusqu'à ce jour-là. Je n'ai pas commencé, c'était dans mon salon. Mais pas encore où quelqu'un a commencé. Jusqu'à ce jour-là. Non, quand j'ai quelque chose qui est grand, non, 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 l'amour de Dieu presse. Toi, qu'est-ce qui te presse? L'amour de Dieu presse. Pour sauver ces personnes-là qui sont encore éloignées du Seigneur. Qu'est-ce que toi tu fais? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, puisqu'il sait
que le monde entier attend la révélation des fils du Fils de Dieu afin de pouvoir annoncer la vérité de l'évangile pour que ces personnes-là soient sauvées. Donc le diable aussi envoie une puissance d'égarement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il fait tout pour ta pour que tu ne puisses pas voir cette image. Il t'a. Tu ne vois rien. Et quand tu passes, c'est pas qui résonne. Et tu sais, l'aveuglement, c'est qui est encore grave. C'est quand tu es en Christ et tu penses, c'est quand tu penses que tu es en Christ alors que tu n'es pas dedans. C'est encore grave. Parce que tu te dis même que tu es tellement dedans alors que tu n'es pas dedans. Aveugle. Afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face. Nous sommes dans les ténèbres, mais nous sommes lumière. Et nous devons maintenant briller. Et pour briller, il faut être en haut pour que tu puisses. Vous voyez le but de l'Église? Tu es là pour éclairer comme une lumière. Tu es là pour apporter l'amour. Lorsque quelqu'un te voit, il doit être apaisé. Parce qu'il sait que lorsqu'il est avec toi, ce sont des paroles réconfortantes. C'est de l'amour que tu vas parler. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont se donner le droit de dire que tu es le diable. Ça, on sait. Il n'y a pas de problème. Jésus lui-même qui est venu avec tout ça, ils ont dit que c'était Belzébul. Donc, on sait ça. Mais toi, les gens peuvent te considérer comme ennemi, mais toi, tu ne vois jamais voir une personne auprès de toi comme ennemi. Toi, il faut le voir comme un frère. Même si ça te fait du mal, tu sais que les portes de ce jour de la mort ne pouvaient pas contre. Donc, tout ce qu'il va faire là, c'est nul descendre. Ah non, le gars là, si c'est ami à lui, il va venir me tuer sur ce nez. Ça ne marchera pas sur toi. Ça n'aura pas d'effet. Cela n'aura pas lieu. On n'aura pas lieu. Donc, il y a des choses, même, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. De la manière le Seigneur t'a conçu, le monde des ténèbres ne peut rien contre toi. Et lorsque nous sommes en train de parler du monde des ténèbres, il faut aller en dessin. Parce que quand je parle comme ça, on appelle le gars là même, le politique là, globalement, en global. Lorsqu'on parle des séjours, des portes des séjours de la mort, je suis en train de parler de la méchanceté. Je suis en train de parler de la haine. Je suis en train de parler du mépris. Je suis en train de parler de tous ces attributs qui ne marchent pas avec le Seigneur. Tout ça ne dominera pas sur toi. Ça ne peut pas dominer sur toi. Ça ne... Parce que si ça domine sur toi, tu es toujours esclave. Est-ce que tu es esclave? Attends, est-ce que tu es esclave? Mais pourquoi tu dis que non, je ne pouvais pas résister, il fallait que j'allume aussi. C'est que tu es encore esclave, si tu ne peux pas te retenir. On n'est pas esclave. Et c'est cette capacité d'avoir toujours le regard fixé du Seigneur, même quand c'est difficile. C'est comme ça qu'on voit ta foi. C'est comme ça que le Seigneur voit que tu comptes véritablement sur lui. Mais si tu dois répondre à tout, va sous prétexte que là, la détraque mes limites. Non! Toi, tu es mort, c'est Christ qui est là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est. Ou bien souvent, c'est Christ, souvent tu actives toi-même. À chaque fois, tu permutes. Amen. Le
culte. Prenons pour finir Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, on va lire ensemble. Oui, il leur dit, allez partout le monde et cherchez la gloire de Dieu. La création attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Et la révélation des fils de Dieu, la qu'est-ce qu'il doit aborder? La bonne nouvelle qui est quoi? C'est l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Christ qui est venu pour nous retrouver à la foi de l'autre. Là, on peut nous avoir réconcilié avec lui. Et nous avons compris l'amour, la paix, la patience, la bonté, la paix. Tout ça. La création t'attend. Est-ce que tu sais que la création t'attend? Même les montagnes. Les arbres, souvent qui passent comme ça. Et tu vois, souvent tu vois un arbre qui tombe sur toi. Non, il a mal, il veut te taper. Parce que tout ça, c'est la création. Tu vois, tu sais pas qui t'a fait. Tu es tombé, tu as glissé. Bah! Il te guette depuis là. Depuis là, on t'attend pour nous délivrer, nous tous. On ne sait pas ce que tu veux. Ah, là, j'ai vu tomber comme ça. Je suis allé comme ça. Il est arrivé même pas. Bah! Qu'est-ce que tu attends? Il faut venir prêcher. J'ai dit les tsunamis, les déluges, tout ça, magma, tout ça. Toutes ces choses-là sont arrivées après la désobéissance. Donc la création souffre, attendant la révélation. Tu t'imagines, on voit un groupe d'enfants de Dieu, et voici la création, on voit, ils sont laissés pas dans eux. De lutter des offrandes. Mais comment est-ce que la création est la foi? Les gars, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Le Seigneur nous a créés d'une manière spéciale pour ne pas que la mort puisse dominer sur nous. Il nous a créés d'une manière spéciale pour ne pas que la haine puisse dominer sur nous. Il nous a créés d'une manière spéciale pour ne pas que les ténèbres puissent triompher. Et maintenant que nous sommes armés, maintenant que nous savons que la puissance des ténèbres ne peut rien contre nous, est-ce que vous savez que Jésus m'a fait beaucoup de bien? Avant que je connaisse véritablement le Seigneur, c'était en 1996 qu'il s'est allé au village. Après 20 ans, je suis parti. Tellement qu'ils avaient peur des sorciers. Alors que le Dieu nous a laissé un patrimoine de terrain, mais tu n'as pas aidé. Le Dieu m'a construit même un au village. Ce sont des Burkinabés qui dorment là. Pourquoi? La chambre même du Dieu, quand il est décédé, les gens ont peur même de rentrer. C'est moi, mais j'ai détruit la colonie. Pourquoi? Pourquoi on est aussi terrifié? C'est parce que nous avons de la puissance. Hein? Mais toi qui as été créé pour faire tout ça. Et il y a plein de personnes comme ça qui ont déserté, qui sont même abandonné leurs parents, méprisé papa, méprisé maman. À cause de quoi? À cause de quoi? La société du diable. Mais quand tu as l'information que toutes ces choses-là ne peuvent pas marcher sur toi, c'est comme ça que tu pourras arriver maintenant à l'église et faire des programmes. Et cette fois-ci, quand tu arrives à l'église, tu n'as pas dit que le sorcier de Dieu est là pour vous défier. Tu seras là pour apporter l'amour. Ah, mon point, te faire mal. Non, laissez-moi. Ma vie est cachée en Christ. Je suis venu t'annoncer l'évangile. Tu me connais? Oui, je suis là. Il est paniqué. Et avec une sérénité, tu annonces l'évangile. C'est pas fait de tu pries jusqu'à tu n'as plus envie, tu as plus de salut quand tu parles. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'annoncer l'évangile avec tranquillité. Jésus, et tu poses des bases doucement, doucement. Tu n'as pas besoin d'aller devant la case du féticheur du village. Tu es chez toi la maison, tu fais sortir des chaises. Regarde,
Venez, on va parler de l'évangile. J'annonce l'évangile. Les cœurs vont se convertir. Les gens seront gagnés. Grâce à toi, ton village sera sauvé. Tes frères seront sauvés. Tes sœurs seront sauvées. Les gens vont connaître le coup du salut grâce à toi. Amen. Mais le diable vous a tellement manipulé avec la puissance du diable au point où il te dit, mon cher, le diable t'a oublié un peu, tu as parti te monter, passer là-bas. Hein? Tu as grossi un peu, tu n'as pas resté à Bidjan. Hein? C'est au village que tu allais prêcher. Mais vraiment, on dit la sagesse. Il faut être sage. La Bible déclare qu'il faut être comme un serpent, il faut se cacher. Et tout ça dans la vie. On n'est pas là pour se cacher. On est là pour répandre le Christ. On est là pour annoncer l'évangile. On est là pour aider cette création. Parce qu'elle nous attend. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Église de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es Église de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es le corps de Christ? Tu es venu comme un ennemi aujourd'hui. Tu invites une fois, deux fois, tu es fâché, tu ne sais pas la chose, il faut rester en ton coin. Église de Dieu, si le Seigneur voulait nous traiter comme toi tu traites, et si que tu pouvais t'en sortir, toi tu raisonnes, toi souvent tu appelles le justicier ou la justicière. Si on voulait être justicier, le Seigneur voulait être justicier, comme toi tu es justicier là, tu pouvais t'en sortir. Monsieur le justicier, tu pouvais t'en sortir. Allons-y. Marc 16, 15 nous dit quoi? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Est-ce qu'il est écrit, allez, les pasteurs, les anciens, les diacres? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il dit, allez partout le monde. Ça concerne hein? Qui sait pas? Parce que souvent, quand tu dis une personne, tu parles dans ses événements. Tu es bien, tu viens de pasteur ou bien. Maintenant, même si tu viens de pasteur, tu ne verras pas les noms. Quand tu vas annoncer l'évangile, ah, là, tu es bien pasteur. Quel est le problème? Donc, qui a dit annoncer l'évangile? Cette filiation-là, c'est uniquement avec les pasteurs. Qui a dit ça? Quel que soit le lieu où tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, nous devons annoncer. Nous devons annoncer l'évangile. C'est le but de l'Église. En tout cas, aujourd'hui, tu as entendu. Si tu n'avais pas compris, si tu n'avais pas encore entendu, tu peux vraiment te plaindre. Mais aujourd'hui, tu as entendu. Que la volonté de Dieu, c'est là d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer quoi? Lorsque vous serez en train d'annoncer la bonne nouvelle, on n'a pas de venir faire les débats théologiques. Jésus-Christ est mort. Il est venu mourir pour tes péchés. Tu es débattre, à ta fois, aller voir mon pasteur. Mais moi, je suis venu pour t'annoncer Jésus. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Pour que le diable ne puisse pas avoir de l'emprise sur toi. Parce que pour ne pas que ton corps soit voué au péché. Je suis venu pour t'annoncer ce que Christ a fait pour toi. Il est bon, il n'est pas l'auteur de la maladie. Il n'est pas l'auteur du ciel de ça. Son plan de rédemption pour l'humanité tout entière. C'est de ça que ces personnes ont besoin. Nous avons eu des prédécesseurs. Ils n'ont pas présenté l'évangile. Ils ont présenté la loi. Fais ça et tu vivras. Fais ça et tu vivras. Donc ces personnes-là n'ont pas reçu l'évangile. Ces personnes-là sont rentrées dans une performance interminable. Donc ces personnes-là ont perdu le goût du christianisme. La création t'attend toi. Enfin, de pouvoir annoncer la vérité de l'évangile. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole.